Alors ensuite, après la médina, j'ai visité la première mosquée que vous avez vue, qui est près du centre de la médina. Et celle-ci, quand vous sortez de la médina après la deuxième mosquée, vous la trouvez dans la rue principale, qui est derrière moi. Alors, cette mosquée-là, elle a des très très beaux plafonds. Si vous avez vu la vidéo et les photos, elle est vraiment magnifique, elle est climatisée. Tandis que la première, elle n'est pas climatisée, mais elle est belle. Elle a un très beau patio avec de belles colonnes. Moi, j'aime bien visiter les mosquées quand c'est possible, parce que parfois, je me fais repérer ou me mets dehors. Mais celle-là, c'est la deuxième que je visite ici à Nabeul, et ils sont très gentils, les gens à Nabeul. Parce qu'il y a des mosquées, par exemple, à Rouen, où sont fous, donc c'est pas possible. Donc, à Nabeul, pas grand-chose à part la médina. Si vous pouvez rentrer à la mosquée, c'est possible. Vous êtes musulman, vous rentrez, vous enlevez vos chaussures et vous rentrez comme vous voulez. Bon, moi, j'aime bien voir un peu la beauté des lieux. Parce que souvent dans les mosquées, c'est très très beau. Hein. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, regardez le pupitre où l'imam fait la mosquée. Il est vraiment magnifique. Bon, pour Nabeul, c'est fini. Moi, je dégage de Nabeul après à Mamet aujourd'hui. Donc, c'est fini pour moi et je vous dis à la prochaine. Ciao.